Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assailli par les démons, vous êtes invité à prendre part à la 26e Grande Convention Nationale organisée par la Mission Évangélique de la Foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Exfoir, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement, elle s'accomplira selon Habacuc 2, verset 3. Ces jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Toundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Du sang de Christ, espérant la couronne, va toujours de l'avant et obéis à la voix, des murs de tous s'effondrant. Oui, la Adonai.
Nous sommes tous bénis. Chobo mina chitebo mina kode fie nazan mina hawe. Avant que on ne se lève pour la prière, je voudrais vous donner mon passage. Corinthi wego ta wego. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 19 à 21. 2 Corinthiens 12, versets 17 à 21. Je vous serai ma version. 19 à 21, je vous en prie. 2 Corinthiens chapitre 12, 19 à 21, version Louis II. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Levons-nous pour la prière. On se tient debout pour la prière. Levez-vous pour la prière. Le Jésus comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Badanuelo. Ce soir. Bibawiwe. Saint-Esprit. Oga Kuto. Tu es le dirigeant, le dirigeant Kuto. C'est toi qui détiens l'autorité sur ta vie. C'est toi qui nous dirige. Nous t'appartenons. Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Et guéris tout un chacun de nous. Afin que l'évangile nous pénètre. Je me tiens debout dans l'autorité de Dieu. Et je réprimande tout pouvoir. C'est force qui n'atteigne pas Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ces forces soient liées. Que leurs œuvres soient détruites. Et que toute chair ici présente ce soir. Et tous ceux-là qui m'écoutent ce soir. Que vos cœurs s'ouvrent pour l'évangile. Afin que des miracles se produisent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de mon message, appel à la repentance.
Oyiro na levojo. Appel à la repentance. Fidemi kia elo. Le passage que j'ai considéré, Paul ou Ekanho. C'est Paul qui a écrit. C'est do Corinthe ici à Goum. Et il a écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Mikato nino be. Body Paul ou si wenu to ebe. Et nous vivons comme à l'époque de Paul aujourd'hui. To dire Paul ou to. À l'époque de Paul. Beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de fidèles de Paul en ce temps vivaient dans certains péchés. Et ils avaient refusé de se repentir. Ils faisaient de mauvaises actions. Mais ils ont refusé d'abandonner ces mauvais caractères. Et cela a fait que Paul avait peur lui-même. Mais il se posait cette question. Son ministre veut, est-ce que ces chrétiens de Corinthe veulent détruire son ministère? Parce qu'il y a plusieurs à l'église qui ne veulent pas se repentir. Mais Paul croyait ou bien pensait que ceux-là veulent détruire son ministère. Et cela voudrait dire que lorsque le Seigneur va apparaître, ceux-là ne seront pas dans le royaume de Dieu. Oh, et cela effrayait Paul. C'est pourquoi Paul a parlé ainsi. Parce que ceux-là ne sont pas prêts pour la repentance. Mais quel péché commettait-il en ce temps? Le passage que nous avons lu, le péché que ces chrétiens commettaient au temps de Paul, Voici quelques-uns. Mais ils ne veulent pas se repentir de ces péchés-là. Les querelles, par exemple. La jalousie. La colère. La division. La médisance. Ajouter d'autres paroles. Zedaga. Et l'orgueil. Même dans le péché, il se glorifiait. Il troublait l'église. D'autres vivaient dans l'impudicité. D'autres c'est l'adultère. D'autres mangeaient les repas sacrifiés aux idoles. La Bible dit que lorsque Paul avait remarqué ce comportement au sein de l'église de Corinthe, il a commencé par pleurer. Parce que son désir est que ce peuple soit repenti. Afin que leur bonheur les parvienne. Afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir sur leur vie. Afin qu'ils puissent trouver des moments de grâce. Afin que ce peuple soit affermi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Christ reviendra, Christ puisse les retrouver affermis en lui-même. C'est sur cette parole, ce passage que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné l'explication sur trois groupes différents. Il y a trois groupes différents en notre sein. Et ce soir, ils étaient à l'image des chrétiens ou bien des fidèles de Paul de cette époque. Et ils ne sont pas prêts ou bien ils ne veulent pas se repentir. Et si ceux-là ne se repentent pas,
Le thème général ou bien le thème de notre convention ne peut jamais s'accomplir sur leur vie. Le thème stipule certainement elle s'accomplira. La promesse, bien sûr. Mais avant que la promesse ne s'accomplisse, ils doivent abandonner ces péchés-là. Mais quels sont ces péchés? Les querelles. La médisance. Salir son voisin. La rébellion. Des mauvais témoignages envers son prochain, bien sûr. Le vol au service. Le vol à l'église. Voler son mari ou bien son épouse. L'adultère. Le divorce. La haine. La colère ou bien l'irritation. Maltraiter les hommes. Comme l'époux peut maltraiter son épouse. Comme le patron peut maltraiter celui qui travaille chez lui, bien sûr. L'avortement, beaucoup vivent dans l'avortement. D'autres dans l'adultère à outrance. D'autres vivent encore dans des consultations, c'est-à-dire ils passent chez les charlatans pour la consultation. Mais ils sont dans l'église, ils continuent de venir à l'église. Et ils ont refusé de se repentir. Mais Dieu veut, et nous vous supplions ce soir, qu'ils doivent se repentir. Afin que la promesse ou bien la parole de Dieu puisse s'accomplir sur leur vie. Ils doivent se repentir. Le deuxième groupe, ce sont ceux-là qui ont passé assez de temps dans le Seigneur. Ils ont passé plusieurs années dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ils ne peuvent plus jeûner. Ils dorment au moment de la prière. Ils viennent à l'église comme ils veulent. Mais ils ont passé assez du temps dans l'église ou bien dans le Seigneur. Mais aujourd'hui encore, si des femmes portent encore, elles portent, si vous voulez, des mèches. Avec des colliers, lorsqu'elles veulent sortir. Autrefois, elles avaient abandonné ces choses. Aujourd'hui, ces choses qu'elles avaient abandonnées, si vous voulez, elles les avaient repris. Les danses mondaines et les danses mondaines également. Ils n'ont plus le pouvoir d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, la vie que ce groupe menait ne leur permet plus de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, ils volent le Seigneur. Même s'ils sont en retard, cela ne leur faisait aucune peine. Ils viennent à l'église comme ils veulent. Mais d'aucuns, bien sûr, se sont accaparés des choses de Dieu. Ils ont pris les choses de Dieu comme les leurs. Ils s'habillent comme le monde aujourd'hui. Ils ont les méthodes mondaines aujourd'hui. Ils peuvent vous mentir sur le compte de leur prochain. Ils peuvent rendre de mauvais témoignages sur le
le compte de leurs voisins. Au moment de la prédication de la parole, ils dorment dans l'église. Oh, peut-être quelqu'un dort comme ça ce soir. Oui, quand on a passé assez de temps dans l'église, dans la nuit, la prière de nuit a disparu. Les veillées de l'église, ils ne participent plus à cette veillée-là. La prière matinale, on l'avait oublié. Cela faisait du passé maintenant. Les jeûnes et prières du vendredi ont disparu également de leur vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu servent aujourd'hui à cause de l'argent. Et nous faisons le ministère, nous faisons l'œuvre du Seigneur avec le mensonge. Nous détruisons nos voisins, nous les rabaissons, nous les humilions. Nous utilisons les choses de Dieu avec orgueil, comme si ces choses nous appartenaient. Ceux-là qui avaient reçu le Seigneur et qui encore gardaient ces mauvaises pratiques doivent se repentir. Ce soir, vous devez vous repentir pour le bien personnel. Le troisième groupe, mais c'est ceux-là à qui le Saint-Esprit, ou bien ceux-là, le Saint-Esprit les avait convaincus. Le Seigneur les avait appelés pour son œuvre. Peut-être à cause de la place qu'ils occupent, l'argent qu'ils ont, leur niveau intellectuel peut-être. Dieu les appelle, venez me servir. Ils n'ont jamais voulu. Et ils vivent dans la désobéissance au Seigneur. Ceux-là doivent se repentir ce soir même. Nous les appelons à la repentance pour leur bien personnel. D'aucuns, si vous voulez, Dieu leur a donné une recommandation. Faites ceci pour moi. Mais ils ont refusé. Ceux-là sont au milieu de nous. Dieu leur a recommandé quelque chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a recommandé, tu as refusé? Dieu t'a recommandé d'aller faire la restitution et tu as refusé. Dieu te demande de pardonner ton voisin et tu as refusé. Dieu t'a demandé de payer tes dîmes fidèlement, tu as refusé. Dieu te demande d'aller te réconcilier avec l'autre, tu as refusé. Mais Dieu t'a dit, donne cette chose à quelqu'un, tu as refusé. Mais Dieu t'a demandé d'acheter quelque chose de précieux dans l'église, tu as refusé. Mais Dieu t'a dit de faire un bien à ce serviteur-là et tu as refusé. Le Saint-Esprit t'a inspiré d'aller prêcher l'évangile à un endroit, tu as refusé également. Dieu t'a envoyé à un endroit, mais tu as refusé comme Jonas. Tu as refusé. Et tu es allé au marché. Ok, tu t'es donné un chemin, tu t'es tracé toi-même un chemin. Et tu reconnais que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce soir, Dieu veut que tu te répandes. Hier, celui qui a prêché, il nous a dit,
Avant que la promesse ne s'accomplisse sur nous, nous devons nous repentir. Il avait dit hier dans son message, c'est pourquoi tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, les bonnes choses que le Seigneur a réservées pour cette convention, tu ne l'auras pas. Parce que de ces choses, tu as refusé de te repentir. Mais c'est cette vie que nous menons actuellement. La parole de Dieu ne dit rien aux hommes aujourd'hui. Les gens n'ont plus de respect à l'Éternel. Les gens agissent comme si c'est eux qui contrôlaient ou bien c'est eux qui ont droit sur Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne respectent plus le Seigneur. Ils viennent à l'église à part feutrée, à part royale. Aujourd'hui encore, tu dois te repentir. Ou peut-être c'est toi qui es en train de diviser cette église là. C'est toi qui sèmes le trou dans cette église. Tu dois te repentir. Mais tu es en concubinage maintenant peut-être. Tu es en concubinage aujourd'hui. Tu dois te repentir. Tu sais, cette année 2014, combien de fois, bien le nombre d'avortements que tu as déjà opéré. Tu dois te repentir. Si ce soir tu te repens, comme nous serons en train de prier pour toi, le passage que j'ai considéré, Paul pleurait à cause de ceux-là qui ont refusé de se repentir, ceux-là qui ont abandonné la repentance. Oh, intercesseur, Les intercesseurs ont jeûné, ils ont prié. Les responsables, les leaders ont jeûné, ils ont prié. Aujourd'hui, moi-même, j'ai prié afin que tu puisses te repentir. Répends-toi maintenant. Si tu ne te répands pas, il y a de bonnes choses sous cette convention, bien dans cette convention. Dieu va exaucer plusieurs personnes. Dieu va accorder l'enfant à d'autres. Dans cette convention, Dieu va accorder époux ou épouse à d'autres. Mais si tu ne te répands pas, c'est toi-même qui chasses l'opération de Dieu de ta vie. C'est pourquoi je t'invite ce soir à la repentance. Ce soir, c'est l'appel à la repentance que je suis en train de prêcher. On a beau prêcher ce message que tu as rejeté, mais ce soir, nous te supplions. Si tu acceptes la repentance ce soir, mais qu'est-ce qui va se passer? Acte chapitre 3, verset 19, Acte 3, 17. Oui. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi. Acte 3, 19, s'il vous plaît. Ok. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà ce que le Seigneur a dit ce soir. Voilà pourquoi nous t'invitons ce soir, nous t'appelons ce soir. C'est que Dieu puisse effacer tout ce que tu avais fait. Mais qui est celui-là qui a endurci son cœur devant le Dieu qui reçoit une bénédiction de la part de Dieu? Mais qui est cet homme? Peut-être tu regardes celui qui prêche la parole, tu dis, mais celui-là ne peut pas me prêcher la parole. Novice. Mon frère,
Mais cette mauvaise action dans laquelle tu es perdu, le péché dans lequel tu vis et tu en dis ton cœur, Dieu t'appelle à la repentance ce soir. Répends-toi. 19, le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Alléluia. Et what il dit ici que mais si tu te répands ce soir, comme nous t'appelons la répentance, si tu peux te répentir ce soir, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va effacer tes péchés. Réponds amen. C'est une promesse. Si toi tu te répands, lui il est prêt à effacer tes péchés. Papa, notre papa là, nous a enseigné cela ce matin. Il dit que la promesse va te dire agis de telle manière. Et l'autre partie agira de sa manière. Si tu te répands, il va effacer tes péchés. Et le temps de rafraîchissement te parviendra de la part du Seigneur. Réponds amen. Et Dieu est prêt à t'exaucer. Et la promesse de Dieu s'accomplira. Si tu veux que le Seigneur le fasse, et nous reconnaissons tout ce que le Seigneur présent au milieu de nous. Quelqu'un me l'a dit hier. Et le pasteur. Il dit pasteur. Il dit que Dieu est dans ce grand hall là. Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est ici à cause de toi. Afin qu'il puisse te faire du bien. Afin que ta vie reçoive le rafraîchissement. Afin que ces différentes promesses s'accomplissent sur ta vie. Mais tu dois te repentir d'abord. Parce que sans la repentance, ces promesses ne peuvent pas s'accomplir. Bible d'auto au fil des mythos, ils ont pour des textes nous convention sincotato. La Bible nous dit sur le thème de notre convention, le passage qu'on a pris pour le thème de la convention. Anyway, Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk 2 verset 3 bien sûr. Et wado na onumimolo etinutande. La vision va durer pour un temps. Et donc, mais si cela dure, cela va s'accomplir. Si tu peux te repentir ce soir, Dieu va accomplir sa promesse, certainement. Quels que soient les blocages, la parole va s'accomplir. Dieu va accomplir sa promesse sur ta vie, certainement. Il va l'accomplir, certainement. Mais ça peut prendre du temps. Ça ne pouvait ne pas être aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, la promesse s'accomplira. Parce que tu as accepté la repentance. La vie revient. La vie va s'installer. Tu auras la joie. Répondez amen. Tu auras la victoire. La bénédiction te parviendra. L'élévation te parviendra. Et tu connaîtras du progrès. Tout ce que tu désires, le Seigneur est là pour les accomplir. Dieu a tout à cause de nous. Mais si nous n'acceptons pas la repentance, et si nous ne sortons pas de l'endissement de notre cœur, la promesse ne peut pas s'accomplir. Luc chapitre 13 verset 3. Tu dois te rappeler de Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, verset 3. 13, 3 qui dit ceci, je lis. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répentez,
vous périrez tous également. Oui, voilà encore une promesse. Si quelqu'un refuse la repentance, mais il va périr. Mais Dieu, je ne parle le désir de Dieu pour nous. Moi, je ne suis pas dans cette, je ne suis pas dans cela. Mais toi, tu es à cette cela. Parce que si tu refuses la repentance, ils périront. Et moi, je ne veux pas périr. Mais je ne sais pas ton cas, toi. Si tu es dans ce cas ce soir, c'est une obligation pour toi de te répandre. Parce que si tu te répands ce soir, Dieu va commencer par faire des merveilles dans ta vie. Il va commencer par faire de grandes choses dans ta vie. Il va restaurer ta vie. Oh, Dieu a de bonnes choses pour toi. Mais Dieu attend quelque chose de toi, c'est la repentance. C'est à cause de cela, mon frère, ce soir, et nous allons prier le Seigneur. Je te l'avais dit. La chose dans laquelle tu as endurci ton cœur, parce que tu as passé assez de temps dans l'église, les choses que tu avais abandonnées, tu es allé les reprendre également encore. Où Dieu t'appelle pour son service et tu endurcis ton cœur. Ou bien Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne veux pas le faire. Ou bien Dieu t'a envoyé pour faire quelque chose et tu as refusé d'aller. Ce soir, tu dois te repentir. Si tu te repens, c'est fini, il n'y a plus de division entre Dieu et toi. Dieu va commencer par opérer des merveilles dans ta vie. Dieu va commencer par élever des hommes. Dieu va commencer par appeler des hommes. Levons-nous pour la prière. Ce soir, voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Mais le message est très court. Il dit que la vision, même si ça dure, ça s'accomplira certainement. Ce que je suis en train de te dire ce soir, si tu te répands, tu vas retrouver un changement. Je voudrais appeler ces trois groupes. Je vais prier pour eux ce soir. Ceux-là qui vivent dans certains péchés, comme les péchés que Paul avait cités, les péchés dans lesquels vivaient les chrétiens de Corinthe. Et nous avions parlé de ces péchés-là dans le message. Ou bien tu as accepté le Seigneur il y a très longtemps. Et tu avais abandonné certaines choses, mais aujourd'hui tu les avais reprises. Mais toi, peut-être Dieu t'appelle pour son ministère, mais tu ne le veux pas. Ou bien Dieu t'a recommandé d'aller faire quelque chose, mais tu ne veux pas y aller. Nous allons prier pour cela ce soir. La première requête de prière, ensemble nous allons d'abord remercier le Saint-Esprit parce qu'il nous a retrouvés. Parce qu'il y a des gens ici présents et ces choses que j'avais citées, ils vivent dans ces choses-là. Et mais c'est pourquoi Dieu est sourd à leur cri. Mais Dieu veut que ces personnes se répandent. Mais c'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons, Saint-Esprit, nous te disons merci. Pour cette parole que tu nous as envoyée, nous te disons merci. Remercions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Remercions-nous, voulons t'entendre prier. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Remercions le Seigneur.
Remercions le Seigneur. Celui-là qui te trouvé ce soir. Dis Dieu merci. Parce qu'il t'a recherché, il t'a trouvé. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais répondez Amen. Le culte ce soir. Ça dandine, ça balance un peu. Les gens ne sont pas vifs. D'accord. Si tu te répands maintenant, tu vas retrouver ta joie. Ce qui opprime la joie en toi, Dieu va l'éliminer maintenant. Mon frère. Ok, je voudrais, s'il vous plaît, que tu fermes. Et commence par examiner ta vie, ta propre vie. Il y a existe-t-il quelque chose en toi que tu pratiques? Tu mènes une vie et la parole de Dieu t'invite à la repentance, pourtant tu résistes, tu continues encore de vivre cette vie là au mieux Dieu t'appelle pour son ministère, tu refuses. Au mieux Dieu t'a commandé d'aller faire quelque chose, tu t'es opposé. Réfléchis, examine ta vie. Ferme tes yeux et examine ta vie. Mais le pire, que tout le monde ferme. Si cela est possible. Si tu es sentinelle, tu peux aussi fermer tes yeux. Peut-être qu'il existe des sentinelles à l'église, des sentinelles qui volent l'argent de l'église. Elles vivent en concubinage. Oui, les sentinelles également peuvent fermer leurs yeux et examiner leur vie, réfléchissez sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as découvert en toi, dans ta vie. Anawayi beto. Tu vas l'accepter. Acluno. Seigneur. Nous les moto. Oui, j'ai retrouvé telle chose dans ma vie. Ce soir, je me répands. Nous sommes bloa. Je ne vais plus vivre cette vie-là. Ebe. Aujourd'hui, Njoto. Je l'abandonne. Tori koto e à cause de ta parole. Tori dagbe to e à cause de ton bien. Parce que je suis en train de te servir, je dois trouver un changement. Et oh Seigneur, à cause de cela, voilà ma vie. Il y avait telle chose en moi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'as-tu trouvé dans ta vie? Bon, et Dieu n'aime pas cette chose. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Alléluia. Sando Mokoske ma sanda yika ma sando boko sheke liba sanda yema poba sinda yon. Le Jésus Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Oui, et mais répondez Amen au nom de Jésus-Christ. Le moment viendra où je peux demander tous, on va chanter. Mais le temps présent, le temps que nous sommes en train de passer, chacun doit s'examiner. Nous sommes tous dans la présence de ce Dieu fort. Et j'avais dit que je voudrais prier pour trois catégories de personnes. Tu es peut-être dans le premier groupe. Tu fais quelque chose. Et ce n'est pas bien. Bon, et la parole de Dieu le dit toujours.
Mais c'est difficile pour toi d'abandonner ces choses. Mais tu désires que nous intercédions en ta faveur. Oh, tu as reçu le Seigneur il y a bien longtemps. Et ce que tu avais l'habitude de faire pour le Seigneur, tu as commencé par les abandonner petitement. Et tu vis maintenant comme les gens du monde. Et tu désires notre prière. Je vais prier pour toi ce soir. Le troisième groupe, ceux-là que Dieu a appelé pour son service. Oui, il y a un. Si tu es là et tu désires la prière, bon, il y a quelque chose en toi. Wanoukon. Viens devant maintenant. Ado fine we. Tu es ici ce soir. Il y a quelque chose en toi et la parole de Dieu est contre cette chose. Bon, et tu veux te repentir de cette chose ce soir. Viens devant. Nous allons prier pour toi. Si vous agenouillez-vous devant le Seigneur. Et tu vas commencer par confesser. Dis la chose à ton Dieu maintenant. Tu le dis à Dieu. D'aucuns vont imposer leurs mains sur leur poitrine. Ceux-là que le Seigneur a appelés pour son ministère et ils s'opposent vont mettre leurs mains sur leur tête. Dieu t'a appelé et tu as endurci ton cœur. Tu t'imposes tes mains toi-même. Tu mets ta main sur ta tête si tu es l'appelé de Dieu. Et tous ceux qui restent vont mettre leurs mains sur leur poitrine. Et en ce temps, la chorale serait en train d'exécuter le cantique 124. Chant de victoire numéro 124. Tel que je suis sans rien à moi. La 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 Sinon, ton sang versé pour moi. Premier et dernier couplet. Okay. Premier et dernier couplet, s'il vous plaît, la chorale. Premier et dernier couplet. Parle à ton Dieu. Confesse ce péché-là. Ce que tu fais et qui n'est pas bien. Même si tu dois pleure devant ton Dieu. Parce que nous avons pleuré déjà pour toi. Si tu tournes d'ici comme tu es venu, c'est pas bien. Les gens vont trouver de bien. Si tu es encore dans l'église, tu n'es pas sorti dans la présence de Dieu, viens. Il y a encore de la place ici. Allô.
Merci. Le Jésus-Christ m'a ouvert le nom de Jésus-Christ. Nigeria pasteur Dofrin, bon, inawa kodenumi. Je voudrais inviter le pasteur Dofrin, il viendra prier pour. Enye kodefo. Après sa prière, mime mendele timbo midona iblo vojiradu igbe 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 igbe. Donc un parmi vous vont faire la restitution aujourd'hui même, aujourd'hui même. En querelle avec quelqu'un, va lui dire que c'est fini. Tu as volé un objet d'autrui, va le remettre. Il y a des décisions que tu dois faire maintenant, maintenant même. Ceux-là que le Seigneur appelle pour son ministère, après la prière, ceux-là vont se diriger vers les pasteurs. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Répondez fortement, amen, dans le nom de Jésus-Christ. C'est un appel très important que le Seigneur a lancé ce soir. Appel à la repentance. Je te remercie, Seigneur, pour tes enfants. Ils ont reçu l'appel. Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés dans leur péché. Et tu dis, toute personne qui accepte son péché et qui l'abandonne et qui le délaisse, tu vas pardonner cet individu-là. Mais celui qui cache cette transgression, celui-là ne retrouvera pas de pardon parce qu'ils ont accepté publiquement leur péché ce soir. Pardonne-les dans le nom de Jésus-Christ. Les péchés qu'ils avaient acceptés, et tu les pardonnes ce soir. Lorsqu'ils vont sortir pour la restitution, pour être parfait pour le royaume de Dieu, pour retrouver l'accomplissement de la promesse, la force d'aller pour la restitution, que cette force vous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu es en train de pardonner tes enfants ce soir, et celui qui doit faire la restitution le fait maintenant, la force de ne plus retourner dans ce péché, Saint-Esprit, accorde-leur cette force-là à partir d'aujourd'hui. La force d'être fidèle au Seigneur. Recevez cette force au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce que tu as opéré dans sa vie ce soir. Pour ton serviteur que tu as utilisé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Levez-vous.